la CAQ veut imposer un test des valeurs aux nouveaux arrivants. Sur le principe, je suis pas contre. Mais si ça favorise l'intégration des gens puis qu'ils apprennent nos valeurs à travers ça, regarde, pourquoi pas, tu sais. Puis après ça, je me suis mis à regarder les gens qui conduisent sa route, puis je fais comme, ils ont tous passé leur test de conduite. C'est vraiment particulier comme test, là, parce que ils ont, c'est 20 questions, puis il faut une note de 75% pour le réussir. C'est-à-dire que tu peux en rater 5 des questions, tout est correct. Tu peux répondre, les homosexuels, on devrait les tuer, les hommes sont pas égaux aux femmes, puis on peut se marier avec des moutons. Là, ils font comme, ça te donne 87%, bravo, bienvenue au Québec. Ça pas de... C'est juste pour avoir l'air de faire quelque chose. C'est pour avoir l'air de... Et moi, je sais c'est quoi avoir l'air de faire quelque chose, parce que je l'ai déjà fait longtemps. Moi, j'ai travaillé dans un magasin grande surface, OK? J'ai jamais travaillé de ma vie. Tout ce que je faisais, là, c'est que j'avais l'air de travailler. C'est-à-dire que c'est facile, si tu vas avoir l'air de travailler dans la vie, là, bouge, bouge. Je me donnais un point, là, je suis comme, OK, m'en va là, d'un air décidé. Je vais aller là. Après ça, un autre. M'en va là. M'en va là. Le boss, il trouvait que j'avais tellement l'air de travailler. Il me citait un exemple. Regardez comment il travaille fort, lui. J'ai pas le temps, boss. M'en va quelque part. J'avais l'air de travailler. Ça lui a pris 4 ans de se rendre compte que je crissais rien. Je pense que c'est ça qui va arriver avec la CAQ. Non, mais c'est vrai, quand les gens demandent qu'est-ce que vous avez de la CAQ, ils disent, ben, il y a enfin un gouvernement qui bouge.